Mais d'abord, 1000 km à vélo en une semaine de la pointe de la Bretagne jusqu'à Saint-Chamond dans la Loire. C'est le défi que s'est fixé Olivier Cressence, le papa de Kylian, un jeune lourdement handicapé, pour faire connaître le syndrome d'Angelman, une maladie neurologique rare dont est atteint Kylian dans son périple. Il est aujourd'hui de passage à Auxerre. Là, on a déjà reversé 3000 euros au centre médical Saint-Jean-de-Dieu au Croisic. C'est un centre pour les personnes handicapées. On finance aussi des journées de centre pour les enfants handicapés, dont les parents n'ont pas les moyens parce que ce n'est pas donné. Donc on finance ces journées-là. On offre aussi, comme on l'a fait l'an passé, des tablettes numériques pour les enfants handicapés. D'autres centres aussi à côté de chez nous. Voilà, on aide plusieurs, que ce soit des structures ou des gens particuliers.